Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien avec quatre sujets dont vous allez voir qu'ils sont assez différents, en espérant qu'ils seront tous aussi intéressants. On reparlera des gilets jaunes, l'intervention présidentielle d'hier n'a pas suffi pour calmer les ardeurs du mouvement puisqu'il y aura une nouvelle manifestation samedi. Alors on se posera la question, Macron a-t-il tout faux? On s'intéressera aussi aux tensions de plus en plus vives entre la Russie et l'Ukraine. La marine russe a arraisonné trois navires militaires ukrainiens, c'était dimanche dernier. Le président de l'Ukraine parle maintenant de la menace d'une guerre totale. Faut-il s'inquiéter? Craignez-vous une guerre? Vous nous donnerez votre point de vue. Nous parlerons aussi de l'union des droites. L'événement est passé un peu inaperçu, mais Marion Maréchal était lundi soir dans une brasserie parisienne pour parler de cette nécessaire alliance entre les électeurs, peut-être pas entre les partis, mais en tout cas entre les électeurs des Républicains et du Rassemblement National. Est-ce possible? On se posera la question. Et puis nous nous intéresserons à la fessée, puisque c'est demain qu'une proposition de loi pour interdire la fessée passera à l'Assemblée nationale. Ce sera l'occasion de vous poser la question. Êtes-vous pour ou contre cette interdiction? Bonsoir Julia de Funès. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes philosophe, spécialiste des ressources humaines, du management. Vous avez créé un cabinet qui s'appelle Profil Conseil. Et vous êtes aussi le co-auteur avec Nicolas Bouzou de La Comédie Inhumaine. C'est aux éditions de l'Observatoire. C'est paru il y a quelques mois et c'est un très grand succès de librairie. Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, sondeur, président de la société Pollingvox. Votre dernier livre, Le Nouvel Ordre démocratique, a été publié aux éditions du Moment. Bonsoir Maxime Desgaillet. Bonsoir. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes aussi conseiller régional socialiste d'Île-de-France. Votre dernier livre, La Grande Dépossession pour une éthique numérique européenne, a été publié par la Fondation Jean Jaurès cette année. Et Renaud Girard est là aussi. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Vous êtes le chroniqueur international du Figaro. On retrouve vos analyses chaque mardi matin dans le Figaro quotidien. Votre dernier ouvrage, « Quelle diplomatie pour la France ?»« Prendre les réalités telles qu'elles sont » a été publié aux éditions du Cerf. On continue donc avec ce feuilleton dont on ne se lasse pas, celui des gilets jaunes. Emmanuel Macron, hier matin, a donné le sentiment de vouloir ouvrir le débat, à la fois en appelant au dialogue avec les gilets jaunes et aussi en expliquant qu'il fallait avoir une nouvelle approche de l'écologie, peut-être moins punitive. C'était un bien beau discours, comme souvent. En voici un petit extrait. Et c'est cela, au fond, la crainte exprimée par nombre de nos concitoyens ces derniers jours. Être laissé pour compte, payer la transition énergétique sans en bénéficier. Et cette crainte, je ne peux que la comprendre et je ne peux que la partager. Tout sera donc mis en œuvre pour accompagner socialement cette transition, pour que l'écologie à la française que nous sommes en train de faire advenir puisse être une écologie populaire. Voilà, le président a donc annoncé un grand débat dans les régions qui devrait durer 3 mois. Il a aussi proposé une nouvelle fiscalité avec une taxe flottante sur les carburants. On n'a pas exactement compris comment ça pouvait se passer, mais ça va être concrétisé. Et puis, il a donc appelé le gouvernement à rencontrer les gilets jaunes. Et ça s'est passé hier soir, une première rencontre entre deux porte-paroles du mouvement et le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Sauf qu'en sortant de la réunion, les gilets jaunes n'étaient pas calmés et ils ont même annoncé que la manifestation, ça recommençait samedi prochain. Écoutez. Samedi prochain, du coup, est maintenu et ça sera, il y aura le rendez-vous comme samedi dernier aux Champs-Élysées. Il y a un appel à la mobilisation. En fait, le souhait de tous les gilets jaunes, c'est de continuer chaque samedi comme ça aux Champs-Élysées. Maxime Desgaillet, c'était un coup pour rien. On a pourtant eu le sentiment que le président de la République tendait la main aux gilets jaunes. C'est un coup pour rien, oui, parce qu'il a été hors sujet. Emmanuel Macron nous avait habitués en même temps. Et là, il n'arrive pas à faire comprendre qu'on peut faire la transition écologique sans le faire au détriment du pouvoir d'achat. Et sur le pouvoir d'achat… – Sans augmenter les impôts, pour faire court. – Sans augmenter les impôts, certainement, mais parce que je crois que le vrai problème, en réalité, et ce qui fait que sa parole est inaudible aujourd'hui, c'est que les gens veulent de l'équité. Et ils ont le sentiment qu'aujourd'hui, certains payent et d'autres, de toute façon, ne payeront pas. Et je crois qu'il faut qu'ils puissent revenir sur les arbitrages fiscaux du début du quinquennat, notamment la question de l'ISF, qui a une dimension symbolique, qui a une dimension réelle, c'est 5 milliards d'euros par an. Et tant qu'il n'aura pas fait un geste d'équité, je crains qu'il ne pourra pas répondre à la hauteur des attentes du mouvement des Gilets jaunes.
Jérôme Sainte-Marie, vous étiez sans gilet jaune, mais vous étiez sur les Champs-Élysées samedi dernier pour prendre le pouls du mouvement. Vous croyez que c'est ça, que ces manifestants, ils demandent aussi le rétablissement de l'ISF, ou bien ils veulent juste qu'on baisse les taxes sur les carburants ? Alors, il faut distinguer plusieurs choses. D'une part, quand vous êtes sur les Champs-Élysées à Paris, vous êtes précisément à Paris. C'est très bête, mais effectivement, vous n'avez pas la population qui est sur les ronds-points. Et par ailleurs, il y a quand même aussi une autre source d'information qui est également les sondages sur, non pas les participants, mais sur les soutiens qui sont massifs, comme un dernier sondage pour le Figaro l'a montré, là-dessus. Donc, ce que l'on voit clairement, c'est la question du pouvoir d'achat, qui est avant tout, au début c'est la taxe sur le carburant, mais c'est une question du pouvoir d'achat. Et on voit bien ce que veut faire le gouvernement. D'une part, comme tout gouvernement, ces questions-là, parler de la méthode. Alors on va faire de la concertation. Dire concertation, c'est dire qu'on ne va pas changer d'avis. Précisément, s'il y a une concertation, s'il y a un grand débat sur 3 mois, pourquoi pas sur 3 ans, eh bien évidemment, c'est parce que les décisions sont prises et seront appliquées. Donc en réalité, la concertation, c'est par définition. Alors ça plaît beaucoup, notamment à une certaine deuxième gauche, etc., traditionnellement, mais en réalité. Là, vous pensez à la CFDT qui avait appelé à cette concertation. Ne me tentez pas. Donc c'est une fin de non-recevoir. Et par ailleurs, il y a aussi un autre problème beaucoup plus sérieux, c'est qu'il essaye de détourner le problème sur la question arbitrage, écologie, pouvoir d'achat. Or, la taxe sur le carburant n'est pas, en termes logiques, et ça l'opinion l'a compris, une incitation à plus d'écologie, puisque c'est une taxe précisément sur l'utilisation d'un véhicule que l'on est contraint d'utiliser pour la plupart des Français. Ça serait une taxe, par exemple, sur tel ou tel type de véhicule pour inciter les gens à choisir un véhicule moins polluant. Je crois que ça existe, d'ailleurs. Là, effectivement, on aurait bien un raisonnement sur la transition écologique. Mais c'est une taxe qui est destinée simplement à faire rentrer davantage d'argent pour l'État, y compris pour compenser une fiscalité qui a été, modifiée. Eh bien, à ce moment-là, pour l'instant, si vous voulez, les soutiens des Gilets jaunes et les Gilets jaunes eux-mêmes ont bien compris et reste radicalement sur la question du pouvoir d'achat. Vous citiez un sondage, effectivement. Vous faisiez allusion au sondage Opinionway qui a été publié dans le Figaro de ce matin et qui nous montre que 76% des personnes interrogées considèrent que les mesures annoncées hier par Emmanuel Macron ne sont pas suffisantes pour répondre aux revendications des Gilets jaunes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on posait la question hier aussi sur le site du Figaro. Alors là, ce n'est pas un sondage, puisque ce sont les internautes qui répondent. Alors, c'était encore plus accentué. Il y avait 85% de gens qui considéraient que ces mesures n'étaient pas suffisantes. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de votants. Presque 90 000, et c'est beaucoup pour le Figaro.fr. Renaud Girard, avez-vous envie de défendre le président de la République ? Oui, parce qu'évidemment, il est tellement attaqué. On n'avait pas répété avant, donc je ne savais pas que c'était votre réponse. Voilà, je vais le défendre. Sur ces deux points, je pense qu'il a eu tout à fait raison, d'abord, d'abolir l'ISF, qui est un des impôts les plus imbéciles qui a été créé en France, qui a été créé par les socialistes. C'est pas un impôt qui sert à ramener de l'argent, c'est un impôt de vengeance sociale. C'est-à-dire, on va taper, on fait payer les riches, on tape les riches parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont réussi. C'est un impôt qui a été refusé par tous les pays d'Europe, y compris les pays qui avaient des gouvernements socialistes, qui ont eux-mêmes aboli cet impôt sur la fortune, parce qu'on paye déjà un impôt sur le revenu, on paye déjà, quand on veut transmettre de l'argent à ses enfants, un impôt sur l'héritage. Avoir un impôt sur la fortune, qui peut d'ailleurs aller assez haut, parce que sous le camarade Hollande, il était de 1,8%, alors que les taux bancaires ne vous donnaient pas, lorsque vous passez de l'argent à la BNP, 1,8%. Donc c'était un impôt confiscatoire. Et surtout, c'est un impôt qui, dans une Europe où les frontières sont ouvertes, ça simplement fait donc fuir. Ça, c'est pour l'ISF. Ça, c'est pour l'ISF qui fait fuir les investisseurs. Voilà. Et faut, évidemment, quand on a. Les socialistes ont ouvert les frontières, ben, quand on est là, il faut garder les investisseurs chez nous. Et vous deuxième point. C'est sur le diesel et sur l'essence. Alors, peut-être qu'effectivement, les carburants sont trop taxés en France, qui est une taxe à peu près de, je crois, 160%, je parle sous le contrôle de M. le Président de la Commission des Finances de la région Île-de-France. Je crois que c'est 160%. Dans la moyenne européenne. Voilà, c'est dans la moyenne européenne. Et moi, personnellement, je n'ai rien à trouver à redire à ces taxes. Mais ce que je comprends chez Macron, c'est qu'il a eu raison de pénaliser le diesel par rapport à l'essence. Parce que le diesel, alors, c'est pas de sa faute si on a fait une politique tout diesel, qui est une grave erreur, là on peut le dire,
d'abord de la droite qui s'est mise dans le diesel à fond, et ensuite de la gauche qui a continué. Le diesel a une pollution de 16 fois en particules fines dans les villes. Et dans les villes, c'est simplement une catastrophe. Oui, ce n'est pas, la faute des pauvres qui roulent beaucoup s'ils se sont achetés un diesel. Est-ce que c'est normal que ce soit eux qui payent? Alors, peut-être qu'il faut effectivement aménager cette taxe, mais le principe est bon. La troisième chose que je vais dire, c'est qu'en fait, c'est difficile d'être président de la République, et je pense qu'il n'y a pas de politique, si vous voulez, qui ne puisse pas se faire à long terme. On ne peut pas avoir, moi je suis pour la démocratie, c'est-à-dire qu'on a, voté Macron, enfin le peuple français a voté Macron, il n'a pas suivi le Figaro. Le Figaro lui avait dit il faut élire François Fillon. Et il a voté Macron. Mais maintenant, il est élu, laissons-le gouverner. Moi je suis pour les décisions de long terme. Je pense qu'en 1974, on a pris une décision de long terme qui était par exemple pour le nucléaire. On a eu bien raison. Madame Merkel, qui a pris une décision démagogique pour gagner une élection dans une région, elle va le regretter. Ce que je regrette, c'est que les socialistes, je regarde M. Desgaillés parce qu'il est membre du Parti socialiste, ils avaient fait quelque chose de très bien, qui était cette écotaxe sur les camions. Prétexte qu'il y a quelques camions qui ont manifesté, on l'a annulé. Donc, on a compris, cher Renaud. La parole, le dernier mot ne doit pas rester à la rue. De l'État doit être conservé. Voilà. Et c'est peut-être l'énarque qui parle, je ne sais pas. Le citoyen énarque Renaud Girard, et journaliste. Julia de Funès, est-ce que vous pensez que cette difficulté, ce malaise qui s'installe entre Emmanuel Macron et le mouvement des Gilets jaunes, c'est encore quelque chose de factuel ou c'est plus profond que ça? C'est-à-dire qu'il y a une incompréhension? C'est beaucoup plus profond et je suis pas dans du Macron bashing non plus, parce que j'ai trop de respect pour cette fonction pour le critiquer comme ça. Néanmoins, je pense que sa stratégie a été très mauvaise sur ce discours-là, parce qu'il a tenté de rationaliser ce qui n'est absolument plus rationalisable pour les Gilets jaunes. On sait très bien que l'écologie, c'est pas le souci. D'ailleurs, si les Gilets jaunes avaient été aussi très cohérents, ils auraient dû être reçus non pas au ministère de l'écologie avec De Rugy, mais au ministère des Finances. C'est ce qu'ils demandaient d'ailleurs. Mais on aurait dû leur répondre. Encore une fois, ils n'ont pas été entendus véritablement. Et il oublie, je trouve, ce philosophe de formation, il oublie sa classe de philosophie élémentaire. Je rappelle juste une phrase de Marx, je ne suis pas marxiste, mais ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Ça veut dire quoi? Les idées ne viennent jamais du haut, elles viennent toujours de nos conditions d'existence. Or là, dans son discours, c'était vraiment des idées transcendantes, belles, nobles, des grandes causes, mais qui ne parlent plus aux gens. Avant de parler de l'air pur, il faut parler du pain quotidien. Alors je me suis juste posé la question, pourquoi? Parce que c'est un homme excessivement intelligent, il y a une communication parfaite, donc c'est pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça vrille à ce point? Et je me dis, mais finalement, est-ce que ce serait pas un péché d'orgueil à pas vouloir revenir sur cette décision? Il confond un peu le temps narcissique et le temps historique. Et sa plus grande victoire, me semble-t-il, serait à la hauteur aujourd'hui d'un renoncement. On pense toujours le renoncement comme un retour en arrière, et je pense que ce serait une vraie grandeur pour lui. Donc Maxime Desgaillés, d'accord avec Julia de Funès, mais pas Jérôme Sainte-Marie. Je suis en désaccord courtois avec Mme Fabien. Oui, bien sûr. Mais dans la mesure où je pense qu'effectivement, s'il y a crise, et si la crise est en train de monter aux extrêmes, c'est bien parce que tout le monde est dans une logique dont il ne peut pas sortir. Et pas pour des raisons psychologiques. Même quand on a une formation de philosophe qui n'est pas exactement aussi grande que ce qu'elle a été évoquée, mais bon, en tout cas, parce qu'il y a quand même des acteurs. Alors, les Gilets jaunes, c'est très particulier, c'est pas très facile de parler d'ailleurs sur les Gilets jaunes parce que c'est vraiment une nébuleuse. Mais en tout cas, pour le pouvoir, il y a une contrainte qui est double contrainte qui est très forte. D'une part, le président de la République est réduit à son socle social et politique du premier tour. Grosso modo, un quart des Français. C'est un quart des Français qu'il a élu, de fait. Or, n'importe qui aurait été élu au second tour, y compris Benoît Hamon, par exemple, d'après les sondages. Donc, en fait, il est réduit à son socle de premier tour. Il ne peut pas le désespérer. J'ai entendu M. Girard, je ne sais pas si M. Girard a voté pour M. Macron, ce n'est pas mon problème, mais en tout cas, je sais que ceux qui sont dans cette logique-là ne pourraient pas accepter. Et donc, ils s'affaibliraient encore davantage en reculant. Donc, il n'a pas le choix, c'est ce que vous dites. Ça, c'est sur la scène politique intérieure. Mais il y a beaucoup plus. Cette histoire de budget, parce que c'est une question de budget, quand même. D'accord. Si vous voulez, c'est pas la fin du mois contre la fin du monde, contrairement à cette formule très facile. Tout le monde pense à la fin du mois. La fin du mois pour les budgets, la fin du mois pour le budget de l'État. Et la fin du mois par rapport à nos engagements
européen. On n'est pas en apesanteur, c'est bien parce qu'on a une logique de respect des engagements européens, pris souvent avant d'ailleurs M. Macron, y compris par les socialistes, que l'on est contraint de cette forme d'austérité budgétaire, et que donc si Macron reculait maintenant, outre le tort qu'il ferait au reste de son quinquennat, il aurait en plus un vrai problème par rapport à nos partenaires européens. On a 35 ans dans la Ve République, 35 ans de reculade. Reculade sur la réforme de Vaquet, qui est une très bonne réforme. Reculade sur la réforme... Ne faites pas la liste de tous les reculs, parce que sinon on va y passer toute l'émission. Des gouvernements qui reculent. Et reculade catastrophique sur l'éco-taxe des socialistes. Et donc la parole est à la défense, Maxime Degaillé. Non, mais j'ai entendu qu'il était difficile, comme vous l'avez dit, d'être président de la République. Je pense qu'il est aussi difficile aujourd'hui de défendre. Mais vous avez eu beaucoup de talent pour nous laisser croire que c'était quelque chose qui était encore audible. Objectivement, quand vous dites, Jérôme Sainte-Marie, qu'il y a finalement, il est sous contrainte, il y a eu des choix. La réalité aujourd'hui, d'abord, c'est que je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que le gouvernement et le président de la République est dans le désarroi, qu'effectivement, il ne veut pas perdre la face, parce que sa stratégie de président a été d'être en permanence dans la verticalité, et que je crains qu'il n'ait pas l'intelligence de pouvoir revenir sur les décisions qu'il a prises préalablement par narcissisme. Je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est grave, parce que la situation du pays, elle est grave. Quand vous dites qu'il n'y a pas de choix, il y a des choix possibles. Quand on décide de mettre 5 milliards d'euros par an en direction des 1% des ménages les plus aisés, et prenons la flat tax par exemple, qui font qu'aujourd'hui ils ont eu un gain de 10 000 euros. Ça, c'est la flat tax sur les revenus du capital. Exactement. Oui, ça pourrait permettre de pouvoir. C'est un choix budgétaire, on peut en faire d'autres. Et deuxièmement, entendez-le, pour les gens à qui on demande de faire des efforts, aujourd'hui, c'est mal perçu parce qu'ils ont le sentiment qu'il y en a qui sont des privilégiés. Et si vous voulez véritablement avoir une vraie stratégie sur la transition écologique, il faut expliquer comment vous répartissez les efforts et les rendre justes. Maxime Degaillé, un dernier mot, je vais vous parce que là, pas beaucoup parlé, c'est pas beaucoup exprimé. Oui, et on a toujours le choix, on est condamné à être libre. Il choisit entre être le président de son peuple ou un élément des directives européennes. Mais il a le choix, il est responsable de ce choix-là. Et là, il ne fait pas le choix de son peuple, c'est tout. Merci beaucoup. Non, cher Renaud, je suis désolé, mais parce qu'on a encore plein de sujets passionnants à traiter, à commencer par celui que vous avez évoqué dans votre billet d'hier dans le Figaro, c'est-à-dire les tensions entre la Russie et l'Ukraine. On va revenir sur ce qui s'est passé exactement, mais pour vous montrer un petit peu l'ambiance, je vous propose de regarder ces quelques images où Petro Poroshenko, qui est le président de l'Ukraine, revient sur les tensions avec la Russie. Il ne parle pas de cet incident naval sur lequel on va revenir, mais dit il y a bien d'autres choses, il y a carrément des chars russes qui se massent à sa frontière, et ça l'inquiète. Regardez. Це є 17 вересня. Це є 24 вересня, це все танки. Це є жовтень. Як ви бачите, кількість танків на базах, які розташовані вздовж нашого кордону, зросла втричі. Ці танки ще не виведені. Вони залишаються там. І тому я хочу, щоб ніхто не думав, що це забавки або іграшки. Країна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. Alors, on va revenir sur le conflit général, mais Renaud Girard, est-ce que vous voulez bien vous approcher de la carte qui est là pour nous rappeler en quelques instants ce qui s'est passé dimanche dernier et pourquoi c'est un problème ? Bien, il y a une petite flottille, en fait, avec un remorqueur et deux petits canonnières, si vous voulez, de petits bateaux armés, qui ont quitté Odessa, donc en pleine Ukraine, pour aller... Et dans vous une mettez autre bien ville. Sur le côté pour que nos téléspectateurs puissent voir. Dans une autre ville d'Ukraine qui est Mariupol, qui est une ville qui n'a pas été prise lorsqu'il y a eu l'offensive des rebelles pro-russes qui ont pris donc ces zones-là Donbass. Qui sont grisées du Donbass, Donetsk et Lugansk, deux districts du Donbass. Voilà. Et le problème... c'est qu'il y a là le pont de Kerch, c'est-à-dire que les Russes se sont saisis de la Crimée en mars 2014, après un référendum qui était massif d'approbation, parce que la population de Crimée est pro-russe, mais qui n'a pas été reconnue par la communauté internationale. Donc la Russie a pris la Crimée, mais elle ne pouvait la ravitailler que par la mer, puisqu'il n'y avait pas de continuité territoriale. Hein, la Russie s'arrête là.
Et donc, ils ont construit un pont qui a été inauguré en mai dernier par le président Poutine, de 19 kilomètres sur le détroit de Kerch. Et simplement, il y a des Ukrainiens qui étaient contre l'existence de ce pont et qui ont dit qu'ils allaient le dynamiter. Donc les Russes ont décidé de faire des inspections à tous les bateaux qui rentreraient dans la mer d'Azov en passant sous ce pont, notamment pour rejoindre le port ukrainien de Mariupol. Or, ce qui s'est passé, c'est que cette petite flottille a voulu échapper, n'est-ce pas, au contrôle s'estimant chez elle. Il faut voir que l'Ukraine ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée, a voulu échapper au contrôle des gardes-côtes russes et donc a été bousculé. Il y a un bateau qui a été bousculé, il y a eu des tirs, mais pas directement pour tuer, hein, c'était des tirs de semonce ou pour impressionner, pour intimider. Et les trois bateaux ukrainiens ont été conduits de force dans un port de Kerch. Tout ça a commencé, il faut le voir, en mars 2018, il y a un bateau de pêche qui venait de Crimée et qui a été arraisonné par des bateaux de guerre ukrainiens. Et c'est à partir de ce moment-là, comme en représailles, si vous voulez, que les Russes ont institué ce contrôle sur le détroit de Kerch. Merci, cher Renaud. Je vous propose de rejoindre votre place. Et pendant que vous vous installez, alors, je ne sais pas qui se sent suffisamment familier du sujet pour nous dire si, à son avis, il y a un risque de guerre à partir de cet incident, Maxime Degaillet. Je suis pas un spécialiste de cette question. Est-ce qu'il y a un risque de guerre? Je note, moi, qu'il y avait une désescalade, quand même, depuis les accords de Minsk, que la communauté internationale, aujourd'hui, fait preuve de moins de fermeté, qu'il y a une tentative, au-delà de l'annexion de la Crimée, de la part de la Russie, de revendiquer les eaux territoriales, et qu'il serait... j'allais dire de bonne guerre, mais la formule serait malheureuse, il serait nécessaire que nous puissions de nouveau parler d'une seule voix. Quand je dis nous, c'est notamment l'Allemagne et la France qui ont été à l'origine des accords. Et j'ai noté une position ferme de l'Allemagne ouvrant la possibilité de sanctions vis-à-vis de la Russie, ça me semble important. Je n'ai pas noté la même fermeté du côté du gouvernement français et de Le Drian, puisque si j'ai bien compris, ils ont eu des échanges récents et la parole était un peu plus faible, ce qui est préoccupant parce que je ne pense pas qu'on arrive à la guerre. Par contre, on sait bien qu'aujourd'hui, la Russie essaye de profiter de la faiblesse relative, notamment de l'Europe, pour consolider ses positions, qui sont des positions aujourd'hui qui nécessitent d'être combattues, puisque, effectivement, ils ont annexé un territoire qui est la Crimée. Alors, on vous a posé la question sur Twitter. Selon vous, une guerre est-elle possible entre l'Ukraine et la Russie? Vous nous dites oui à 59%, et c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a Macabronito qui nous dit « On a bien vu que personne n'a réagi avec l'annexion de la Crimée. Sous-entendu, les Russes peuvent faire ce qu'ils veulent. » C'est aussi l'avis de M. Babineau qui nous dit « Il n'y aura pas de guerre. L'armée russe est beaucoup trop forte. » Et Fouquier nous dit « On ne pourra pas parler de guerre, les Russes seront à Kiev avant que les journaux aient eu le temps d'en rendre compte. » Renaud Girard, pour vous, il y a un risque de guerre ou on en reste à des mesures d'intimidation ? – Là, très clairement, en fait, c'est une petite provocation des Ukrainiens qui peuvent se confondre pour qu'on n'oublie pas le cas de l'Ukraine et pour qu'on en parle, ils ont obtenu qu'on en parle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Moi, je ne pense pas qu'une politique de sanctions puisse faire changer la stratégie d'un pays comme la Russie, qui a quand même tenu pendant 1000 jours au siège de Leningrad face à l'armée allemande. On ne fait pas changer les Russes. Les sanctions qui sont en cours déjà, hein, contre la Russie. Voilà. Par ailleurs, je remarque que les sanctions commerciales pénalisent la France, puisque la part de marché de la France en Russie a diminué de 34%, alors que la part de marché de l'Allemagne a, comme par hasard, augmenté de 2%. – Donc ça c'est la réponse à Maxime Degaillet, voilà pourquoi peut-être la France ne prend pas de sanctions. – Qu'il faudrait faire, je pense que Vladimir Poutine se rend compte qu'il a commis une erreur stratégique en investissant le Donbass, c'est la région là, donc, que je montrais, à partir de... Enfin, c'est les rebelles pro-russes, puis l'armée russe qui est intervenue clandestinement à partir d'août 2014. Je pense que c'est une erreur stratégique, mais je pense qu'il faudrait, en fait, dealer, c'est-à-dire
de dire, bon, parce qu'en fait, l'obsession de la Russie, c'est de garder l'Ukraine comme un glacis. Voilà. Et leur obsession, c'est que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. Il est vrai qu'il y a eu des promesses qui ont été faites d'ailleurs à Paris par le président H. Bush à Gorbatchev, que jamais l'OTAN ne s'étendrait vers ces pays de l'Est, d'où se retiraient à l'époque, en 1990, les forces russes soviétiques. Donc moi, je pense qu'on pourrait faire un deal en disant, bon, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, on est bien d'accord, mais vous vous retirez, donc vous rendez les territoires, et notamment la frontière ukraino-russe, aux forces ukrainiennes. Quant à la Crimée, eh bien, ça sera un deal entre les Ukrainiens et les Russes dans 20 ans. Il faut bien voir que les Russes ne rendront jamais la Crimée. La Crimée ne reviendra jamais à l'Ukraine, comme le Kosovo ne reviendra jamais à la Serbie. Il faut rappeler que le Kosovo a été arraché à la Serbie par une opération militaire. Absolument. Aussi, soutenue par de l'OTAN entre mars et juin 1999. Merci, merci. On va revoir la carte pour qu'on comprenne bien tout ce que vous nous avez dit. Donc la zone que les Russes pourraient rendre en signe de bonne volonté, c'est donc celle qui se trouve à la frontière est rebelles, de voilà. L'Ukraine. Voilà. Voilà. C'est mais la, qu'ils n'ont jamais, qu'ils ont jamais accepté d'annexer. Voilà. Voilà, qu'ils n'ont jamais accepté d'annexer. C'est la zone qui est en pointillé, donc à l'est de Donetsk. Julia de Funès, votre avis sur ce sujet ? Mon avis, si je reprends les mots de monsieur, on peut encore dealer, comme vous avez dit. Mmh. Donc, parler de guerre, ça me semble improbable, parce que si on peut dealer, ça veut dire qu'on a encore des intérêts des deux côtés. Et ce ne sont jamais les intérêts qui déclenchent les guerres, ce sont les passions. Dans l'histoire humaine, ce sont à chaque fois des passions qui ont déclenché les guerres, passions de la patrie, des idéologies religieuses, nationalistes, de révolution, peu importe la passion, mais ce ne sont jamais ce n'a jamais été pour le pétrole, pour l'argent, pour les matières premières qu'on a déclenché des guerres. Donc, tant que les intérêts ne se transforment pas en passions aveugles, à mon avis, on est loin de la guerre encore. Bon, et je passe la parole à Antimac, qui remercie Renaud Girard pour son sens de la pédagogie. Nous aussi, d'ailleurs. Jérôme Sainte-Marie. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est du point de vue purement français, c'est-à-dire comment les représentations s'organisent autour de cette question de la Russie et accessoirement de l'Ukraine en France. C'est absolument fascinant, on a eu ce témoignage à l'instant sur le plateau, de voir à quel point la gauche, et plus précisément le Parti socialiste, adopte une position résolument pro-OTAN en toute matière. C'est absolument fascinant de voir que François Hollande est allé jusqu'à ne pas envoyer de délégation française pour le 9 mai sur la Place Rouge, pour l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, enfin, et la victoire que l'on doit, comme d'ailleurs en grande partie la victoire de 14-18, au sacrifice de millions de Russes. Il est très intéressant de voir qu'il y a un discours… – poutiniste sans pour autant être pour l'OTAN. – Il y a effectivement un grand discours sur les valeurs qui tombent complètement à côté, d'une part parce que le Parti socialiste ne s'oppose pas à certaines annexions territoriales ailleurs, y compris au Proche-Orient, que par ailleurs, en tout cas pas très vivement, que par ailleurs… Eh bien, on ne vous entend pas. Par ailleurs, vous il y a… – Vous ne nous écoutez pas, vous savez, c'est le problème aujourd'hui, c'est que plus personne ne nous écoute, monsieur Jean-Marie. Que par ailleurs… – Mais tendez l'oreille. – Pour rester sur la Russie, que effectivement, même la question ukrainienne, on a adopté un récit sur Maïdan et sur l'Ukraine qui est assez surprenant. – Maïdan, c'est la place de Kiev sur laquelle il y avait eu ces affrontements entre Ukrainiens pro-russes et Ukrainiens pro-occidentaux. J'y étais d'ailleurs en 2004, quand j'étais étudiant, vous voyez. Que j'ai des amis, et d'ailleurs nous avons maintenant une offre qui est adaptée à cela avec M. Glucksmann, puisque l'espace public, qui ne voit aucun problème à adopter le point de vue d'un gouvernement et d'une majorité dans lequel il y a des éléments qui ne sont pas pro-nazis. En réalité, ils sont nazis, c'est-à-dire qu'effectivement, ils défilent en uniforme de division SS. Ça, c'est la majorité qui soutient le président ukrainien. Grand pays de la Shoah par balle. Je veux dire, on est quand même dans un univers assez surréaliste où les mêmes qui ont un discours sur les valeurs et la mémoire, la morale, etc. en France, en Ukraine, comme on est face à un espèce de démon totalement fantasmé sur la Russie, mais ça, je ne veux pas parler de la Russie, mais uniquement des représentations, c'est fascinant, ce double standard, où effectivement, quand il s'agit de contrer la Russie et d'adopter le point de vue de l'OTAN, alors là, on a une transformation totale du devoir de mémoire et du devoir de valeur. – M. Sabari, c'est qu'en fait, c'est vrai que dans cette dégénérescence, si vous voulez, en Ukraine, au Donbass, à partir de juillet 2014, effectivement, pour mater des rebelles pro-russes, c'est-à-dire des Ukrainiens du Donbass, mais qui étaient pro-russes,
On a envoyé notamment des bataillons, et certains bataillons, notamment le bataillon d'Azov, étaient composés de nazis ouvertement nostalgiques, ça c'est vrai. Il y avait d'ailleurs eu un reportage là-dessus sur le Figaro Magazine. On rappellera que le conflit dans le Donbass a fait 10 000 morts. Nous passons à un autre sujet, heureusement beaucoup moins belliqueux, celui de l'union difficile entre les droites françaises. Lundi soir dernier, Marion Maréchal, pourtant officiellement retirée de la vie politique, animait une soirée débat dans une brasserie du 9e arrondissement de Paris devant le cercle Audace. C'est un groupe de gens qui est favorable au rapprochement entre les droites. Et Marion Maréchal a dit « Mais nous pouvons voir émerger une nouvelle droite néo-conservatrice » qu'elle définit comme un mouvement qui devra poser des limites, qu'il s'agisse de frontières territoriales ou de bornes aux exigences et désirs immédiats de lobbies ultra-minoritaires. Et elle a cité l'exemple de la GPA. Jérôme Sainte-Marie, cette union des droites, ce rapprochement entre les électeurs du Rassemblement national et ceux des Républicains, est-ce que c'est un fantasme, comme on a posé la question en titre de ce sujet ? C'est un sujet très délicat sur lequel toutes les forces en présence butent depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on sait, notamment, il y avait un sondage désormais un peu ancien de 2015 dans le Figaro Magazine qui montrait que sur la question de l'immigration, de la sécurité, surtout ce qu'on appelle le régalien, il y avait une convergence totale. L'IFOP avait en l'occurrence testé non pas des idées en général, mais des propositions de ce qui était à l'époque le Front National. Et on voyait que les électeurs de ce qui devait être à l'époque l'UMP adoptaient totalement, presque autant que les électeurs du Front National, ces dispositions-là, ces propositions électorales. Mais qu'inversement, il y avait un hiatus terrible sur l'euro. Donc on a effectivement un grand courant d'opinion aujourd'hui qui va plutôt grandissant avec un accord sur la dimension qui était traditionnellement la plus diabolisée du discours du Front National et désormais du Rassemblement National. Mais en même temps, il y a une impossibilité au niveau des double, au niveau des appareils, bien sûr, puisque là, il n'y a aucune convergence des appareils dominants, notamment la droite ne veut pas de ce genre de choses. Et puis il y a aussi quand même une autre divergence qui est un peu plus fondamentale, c'est que quand on passe à la dimension économique et sociale, là il y a des différences très importantes. Et que la ligne incarnée par Marion Maréchal Le Pen peut paraître à beaucoup de gens comme une ligne finalement assez féconde électoralement, sans porter de jugement de valeur sur le fond et sur les valeurs, mais ça pose un problème parce que malgré tout, pour l'instant, Marion Maréchal Le Pen n'incarne pas du tout la représentation des catégories populaires qui font la force électorale du Rassemblement national. Marine Le Pen a réalisé 37% parmi les ouvriers, 24% parmi les employés. À mon avis, cette influence est encore accrue depuis l'élection présidentielle, va s'accroître encore avec le mouvement des Gilets jaunes. Et je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec une forme d'offre à la Marion Maréchal Le Pen, droite et puis autre chose. Pour compléter ce que vous disiez, on peut ajouter qu'il n'y avait ni représentant du Rassemblement national, ni représentant des Républicains lors de cette rencontre. On vous a posé la question sur Twitter. Pensez-vous qu'une union des droite est possible. Vous êtes 42% à considérer que oui, ça veut dire que majoritairement vous êtes assez d'accord avec l'analyse de Jérôme Sainte-Marie. Et Gênes nous dit oui, l'union des droites est possible à condition de se rassembler sur un projet contenant les points les plus importants et de faire abstraction des petits désaccords. Julia de Funès, votre point de vue sur ce sujet. Oui, moi aussi je pense que c'est très possible et pas souhaitable au sens, je ne partage en rien les points de l'extrême droite. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'apparaît comme ringard et terrible du côté de la droite traditionnelle, c'est quand elle vous jure, les grands responsables de droite vous jurent droit dans les yeux avec bravoure que jamais ils ne passeront la frontière avec l'extrême droite et c'est quelque chose, une éthique de conviction forte. Je trouve qu'il y a l'éthique de conviction, bien sûr, que je partage complètement, mais à un moment, il y a la responsabilité et qu'est-ce qu'on observe dans toute cette Europe, c'est quand même que les populismes l'emportent. Et là, quand on parlait de Macron, je me disais, il y a comme une force qui va macro, qui va directement vers l'extrême droite pour les prochaines élections. Et je me dis, est-ce que l'intérêt de la droite, ce n'est pas au contraire de l'exclure, de s'exclure de l'extrême droite en disant, on ne pacterisera jamais avec le diable, mais rentrer dans l'intérieur de ce grand magma de droite pourrait venir borner, rationaliser, nuancer ses positions extrêmes. Est-ce que là, l'exclusion et la radicalisation, l'isolement avec ce parti-là ne serait pas nuisible en termes de responsabilité pour la droite ? C'est la question. Voilà le point de vue de Maca Bronito et Maxime Degaillé réagira. Difficile de voir la différence entre la ligne Wauquiez et celle de nombreux frontistes. Bon, d'abord, moi, je suis un peu gêné par la façon dont vous avez posé le débat, parce que
Quand on parle de Marion Maréchal Le Pen, on ne parle pas de l'union des droites, on parle d'une conversion des droites, parce que pour moi, elle est à l'extrême droite. Et cette conversion-là, elle n'est pas nouvelle. C'est toute la théorie d'Alain de Benoist, les trois I, identité, immigration, insécurité, et la conviction qu'il était possible de convertir la droite aux positions extrêmes, notamment en mettant à bas l'héritage républicain de la droite. Je ne reviens pas sur l'héritage orléaniste qui a une histoire quand même dans ce pays de la droite, mais on voit bien que, en tout cas, c'est la tentation qui n'est pas nouvelle, donc d'une partie de l'extrême droite, de pouvoir arriver au pouvoir par cette façon-là. Là où moi je suis gêné, je ne sais pas si c'est un fantasme, mais en tout cas moi j'ai une inquiétude, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, Marion Maréchal Le Pen profite du vide de la droite, et que, vous l'avez dit, Wauquiez et d'autres considèrent, pour des raisons pas de valeur, mais de stratégie électorale, que le seul moyen de reconquérir le pouvoir est d'arriver à une convergence entre les forces électorales du Front National, du Rassemblement National et une partie de la droite. Ça me semble particulièrement préoccupant. Votre point de vue, Renaud Girard ? Mais c'est que si je devais faire de la politique, mais ce n'est pas mon âge que je vais commencer à en faire, je choisirais plutôt la gauche que la droite. Ça semblerait curieux pour un journaliste du Figaro. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de faire de la politique, de se faire élire à gauche, parce que quand on est à gauche, on a le droit d'être soutenu par l'extrême gauche. Et puis si on n'a pas un passé extrêmement douteux, par exemple qu'on a été par exemple trotskiste, comme monsieur Jospin, ça passe comme une lettre à la poste. Trotsky, il faut rappeler ce qu'est Trotsky, c'est un Staline raté, aussi violent, il a créé la GPU, il a fait la répression des marins de Kronstadt, il a bien mérité, Trotsky, le coup de piolet du camarade Ramon Mercader, Je maintiens qu'il a bien mérité ce coup de piolet. Quand on, personne ne met en cause le fait qu'il est qui vivra par le glaive, périra par le glaive. Alors voilà. Et on a le droit tout à fait de se faire élire par l'extrême gauche, et donc l'extrême gauche, par exemple, a participé évidemment à l'élection de M. Hollande et des présidents socialistes qui ont été là avant lui. En revanche, lorsqu'on est de droite et qu'on aurait un soutien de la droite plus radicale ou plus extrême, ah, quelle horreur ! Quelle horreur ! Alors, je ne pense pas d'ailleurs qu'il faut parler de Marion Maréchal Le Pen comme d'extrême droite, parce que pour moi, l'extrême droite, ce sont les gens comme Déroulède ou comme le général Boulanger, c'est ceux qui ne respectent pas l'ordre républicain. Moi, je ne pense pas que Madame Marion Maréchal Le Pen, elle respecte pas la République. Je pense qu'elle respecte les lois de la République et qu'elle les respecte jusqu'au bout. Donc c'est important, si vous voulez. L'extrême gauche, les partis d'extrême gauche en France, par exemple, ils contestaient la légitimité des institutions qui disaient bourgeoises et qu'il fallait renverser par la force. Donc c'est quelque chose. Et il y a une extrême droite qui a voulu, d'ailleurs, par exemple en février 1934, renverser par la force, qui considérait illégitime les institutions républicaines. Donc vous dites qu'il n'y a aucun obstacle moral à un rapprochement, en tout cas, entre la droite de Marion Maréchal et la droite de Laurent Wauquiez. Après, il y a des choix. Ben, dans tous les pays, si vous voulez, aux États-Unis, par exemple, vous avez les partis républicains, vous avez des gens qui vont du centre, là, comme le sénateur qui vient de mourir, qui avait été candidat, le héros de la guerre, là, son nom m'échappe, qui avait été McCain. Voilà, qui avait, etc., jusqu'au Tea Party. Le Tea Party est beaucoup plus, au moins aussi à droite, sinon plus à droite, que le Rassemblement national. Le Parti conservateur, c'est la même chose. Et seulement en France, on ne pourrait pas imaginer cela. Alors moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être effectivement envisagé, qu'il n'y a aucune raison que la droite refuse, pour plaire à la gauche, pour plaire aux journaux de gauche, le soutien de l'extrême droite. En revanche, on a tout à fait le droit d'avoir ses opinions. Alors personnellement, je suis pro-européen, donc évidemment, je ne vais pas aller avec le Front National. Mais je suis sidéré par le fait que cette droite française est, comme on dit en anglais, mesmerized, elle est hypnotisée par la gauche qui dit « Ah,
Ramenez-vous à votre banc. Merci. Vous êtes mauvais. Merci, voilà. Renaud. Un mot de conclusion là-dessus, très bref, Jérôme Sainte-Marie. Oui, un mot. Je pense que M. Girard a raison de rappeler qu'en politique, les mots n'ont de sens que si on leur donne un sens objectif. Qu'effectivement, cette invocation de l'extrême gauche ou de l'extrême droite devient très fragile quand il y a reconnaissance des institutions républicaines et ça aboutit à des choses un peu absurdes comme les discours de M. Castaner par rapport aux Gilets jaunes et aux comparaisons avec le 6 février 1934. Là, je serais un petit peu en désaccord avec M. Girard, c'est que de fait, à l'extrême gauche, pour vos téléspectateurs, je peux le dire, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de formations d'extrême gauche aujourd'hui qui soient dans autre chose que dans une logique elle-même électoraliste et de facto républicaine. Merci. Quelques minutes encore pour nous permettre d'aborder un dernier sujet. Il y a une proposition de loi qui passe demain à l'Assemblée nationale et dont l'objectif est d'interdire la fessée. Je vous en lis l'article principal. Les enfants ont droit à une éducation sans violence. Les parents ne peuvent utiliser de moyens d'humiliation que sont la violence physique et verbale, les punitions ou les châtiments corporels ou les souffrances morales. Cette proposition parlementaire est soutenue par plusieurs ministres, dont Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme. Elle l'a dit sur France Info le 15 novembre. Il n'y a pas de petite claque. Toute violence a des séquelles importantes. C'est maintenant démontré scientifiquement sur les enfants dans toute leur vie, y compris lorsqu'ils sont adultes. En 2018, je ne vois pas qui pourrait défendre l'usage de la fessée et des violences ordinaires éducatives. Eh bien, nous avons trouvé quelqu'un qui défend. Il s'appelle Fabien Di Filippo. C'est un député Les Républicains de la Moselle. Et il l'a dit jeudi dernier, c'était lors d'une réunion de commission de l'Assemblée nationale. Quid de l'autorité dans notre société? Elle ne passe bien évidemment pas par les coups, mais vous allez bien plus loin avec ce texte. Ça a été dit tout à l'heure. Quand on met un enfant contre sa volonté en le contraignant physiquement au coin, est-ce que ça rentre dans le cadre de cette loi? Une tape sur la main, quand il a voulu mettre la main sur la plaque qui était un peu trop chaude, est-ce que c'est grave? Quand vous dites que notre société est gangrénée par la violence, je pense qu'il y a bien d'autres choses au préalable auxquelles vous pourriez vous attaquer de manière plus forte. Je pense aux Kalachnikov et aux armes à feu. Question simple, Renaud Girard, faut-il interdire la fessée? Je pense que c'est effrayant. En fait, c'est un monde orwellien. On voit des députés, l'État qui veut entrer dans la vie, dans la façon dont les gens éduquent leurs enfants. Je pense qu'effectivement, une fessée, c'est... Alors quand il y a évidemment des excès qui sont constatés par la DAS, ben très bien, il y a des mesures qui sont d'ailleurs poursuivies depuis toujours. Tout à fait. Mais enfin, je pense que l'État a déjà beaucoup de mal à s'occuper de l'instruction publique qu'il qualifie d'ailleurs bizarrement d'éducation nationale. Non, on devrait rétablir le titre de... Ça, c'est un autre sujet. ...de ministère de l'instruction publique. Mais que l'éducation doit être laissée aux enfants et aux parents. Il est évident... qu'une fessée n'a jamais fait de mal à personne. J'en ai reçu. Et même, j'étais, figurez-vous, dans des collèges anglais, il y a très longtemps, où il y avait encore les châtiments corporels. Eh bien oui, j'ai reçu des coups de bâton, là, comme ça, là, voilà, je vais montrer. Parce que j'avais été pris par un pion, c'est-à-dire un étudiant plus âgé, dans un cimetière avec des copains, en train de fumer des cigarettes à la menthe. On saura tout. Eh bien, ça ne m'a pas fait de mal. J'ai préféré cette punition physique, gentille, de coups de bâton, à la dénonciation à mes parents, avec toute la procédure, processus quasi-judiciaire. Non, voilà. Et j'ai reçu des coups de pied au cul. Merci. Après avoir volé. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Ça ne vous a pas empêché d'entrer dans Normal Sup. Voilà. Maxime Degaillet. Écoutez, d'abord, je rappelle que le Parlement a déjà voté cette loi qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour des questions de forme. Donc, il n'y a pas des choses très nouvelles. Et j'ajoute aussi que ça fait 30 ans qu'on saigne des conventions de toute façon, interdisent ce qu'on appelle des violences éducatives. Sur le principe. Sur le principe. C'est à la loi d'interdire ça. Sur le principe, est-ce que la loi doit rentrer dans le domaine du privé? Oui.
Parce que quand vous avez une femme, tous les trois jours, une femme qui meurt en raison des coups de son conjoint, on voit bien qu'il est nécessaire que l'État, la collectivité, s'intéresse aussi aux rapports privés. C'est dingue quand même qu'on associe la fessée à la femme tuée par son conjoint. Non, non, mais ça, là, non, on est dans non, un truc, pas du dans tout, un pas monde du de fou, là. Non, pas du vraiment tout. De fou, quoi. Pas du tout, pas du tout, parce que c'est, non, fou, mais c'est une question très intéressante. C'est le monde de Madeleine Chapier, d'ailleurs, c'est ce non, monde-là. C'est une question très intéressante, en réalité, sur laquelle il y a légitimité à débattre, qui est jusqu'où est-ce que l'ordre public doit s'insérer dans les vies. Donc, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, en disant que vous considériez qu'on avait peut-être d'autres choses à faire que d'aller s'occuper des relations infrafamiliales. À la question qui est-ce que c'est légitime ? Oui, après, en réalité, et je crois que ça a été évoqué par la porteuse de la proposition de loi, l'idée est d'en faire un acte de sensibilisation, de validation. Il n'y a, je crois, pas de sanction prévue dans le projet de loi. Et donc, moi, j'aurais envie de retourner la question. Qui, aujourd'hui, serait pour qu'on ait un projet de loi demandant à ce qu'on autorise les châtiments corporels ? Personne. Donc, il me semble que cette proposition de loi, il faut la mettre à sa juste place. Mais en tant que telle, ça ne me choque pas, surtout que le Parlement a déjà pris position dessus. Que l'État s'occupe de l'instruction publique, pas de l'éducation des enfants. Je donne le point de vue des internautes qui nous regardent. Ce n'est pas un sondage. Selon vous, faut-il interdire la fessée ? Vous êtes 83% à répondre non. Et voici quelques commentaires clos. Qui nous dit qu'il faut arrêter de faire des lois sur tout et n'importe quoi. Il faut laisser la liberté aux citoyens. C'est ridicule. Une loi n'empêchera pas la fessée au sein du foyer. Si l'État n'a pas entré dans les foyers. Et Christian nous dit que les parents se mesurent et ils auront des enfants mesurés. Et isométriques, il faut bien distinguer la fessée et la maltraitance. Jérôme Sainte-Marie, j'en reviens à la question. Faut-il interdire la fessée par une loi ? Alors moi, en tant que sondeur, je trouve ce genre de débat absolument formidable. Ça fait plein d'études possibles. Et puis, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des choses importantes. Vous voyez, parce que ça n'aura très peu de conséquences, en fait, ce texte-là. C'est un merveilleux dérivatif dans une période de crise sociale et politique majeure. Et effectivement, moi, je veux bien en causer, si vous voulez. Mais ça me paraît quand même... Alors, non, le seul point que j'aurais, et là-dessus, je vais faire une alliance avec M. Girard... Mais c'est que quand même, non, il y a un petit point qui me gêne, et c'est pas exactement sur ce sujet-là, c'est, je crois que c'est le bâton qui vient, la trique, je crois que c'est la trique qui vient de tomber. Eh bien... Franchement, ce que vous racontez, là. Voilà. Non, ce qui m'ennuie un tout petit peu, là c'est un sentiment qui est assez général dans l'opinion, c'est qu'effectivement, les gens ont l'impression, malgré tout, de plus en plus, et ça c'est très pernicieux pour l'autorité même de l'État, qu'il y a de plus en plus de lois sur des micro, comment dirais-je, avec des micro-sanctions pour des micro-délits, et qu'inversement, il y a effectivement des troubles à l'ordre public majeur, c'est ce qu'a souligné de manière un peu caricaturale le député LR à l'instant, et dans le reportage, et les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on laisse aller. Comme alors, les élèves qui insultent alors qu'inversement, leur professeur, alors qu'inversement on sanctionne des petites choses. Voilà. Voilà. Moi, pour une fois, je voudrais donner mon point de vue aussi. je trouve qu'il y a un paradoxe à vouloir à la fois interdire la fessée et à se préparer à autoriser ce qui me semble, c'est un point de vue personnel, mais je l'ai déjà écrit, donc je le partage avec vous, ce qui me semble être une violence bien plus forte, qui est de priver un enfant d'avoir un père et une mère, puisque c'est le projet de la PMA pour les couples de lesbiennes. Voilà. Julia de Funès. Oui. Ah, génial. Parce que finalement, la question... Et vous aurez le mot de la fin. Ah, super. La question venait, à qui on repasse l'autorité ? Est-ce que c'est à l'État ? Est-ce que c'est aux parents ? C'est ça, au fond. Et la France a un énorme problème avec l'autorité. C'est post-68ard. Et c'est une conséquence démocratique aussi. Parce que tous, libres et égaux, on a dérivé vers un égalitarisme patenté qui se retrouve dans chaque sphère. L'État, l'entreprise, l'école et la famille. Il y a ce problème d'autorité dans chacune des sphères. On a vu qu'avec la famille des parents copains, ça ne marche pas. On a vu à l'école que le maître copain, ça ne marche pas. Dans l'entreprise libérée, où il n'y a plus de manager, tout le monde est manager, ça ne marche pas non plus. Et le président normal, sans autorité, n'a pas non plus très bien marché. Donc, il ne s'agit pas de revenir à l'autoritarisme et au coup de bâton, bien sûr, mais tout l'enjeu aujourd'hui, et c'est ça qui est difficile en France à définir, c'est comment retourner à une autorité véritable. Autorité, c'est noble hein, comme terme, ça veut dire augare du grec, ça veut dire augmenter les individus. Et comment on peut arriver à créer une hiérarchie, une verticalité, une autorité sans opprimer, une subordination, si vous voulez, mais sans soumission. C'est ça l'enjeu. Et sur ce sujet concret, je me permets de vous poser la question un peu directement, puisque j'ai vu sur votre site internet qu'on vous voyait avec des enfants. Ça me coûtera peut-être 30 ans de prison, mais pas 30 ans de psychanalyse, je pense. D'accord, très bien. Bah, merci pour cette conclusion. Merci beaucoup à tous les quatre, c'était passionnant. Point de vue reviendra demain avec Marie-Amélie Lombard, au même endroit et à la même heure. Bonsoir à tous.